petite Émilie, 6 ans et demi, qui est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'en sorcelle, pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie a 8 ans passé, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout, mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée aux grandes dames de maman. Fini la jolie fille au visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Tantôt elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, on l'appelait la dégueulasse, des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer, par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée, ses camarades